terminé donc l'étude de ce contenu donc abdominal et particulièrement du tube digestif par l'étude du rectum. Le rectum étant défini comme étant la portion terminale du tube digestif. C'est un réservoir qui est destiné à collecter les matières fécales et donc à les garder entre deux défécations. Ce réservoir est situé dans le pelvis. Il a environ 15 cm de long, subdivisé en 3, 5 cm pour le haut rectum, 5 cm pour le rectum moyen et 5 cm pour le rectum inférieur ou le bas rectum. C'est un tube, donc un réservoir qui commence au niveau de la troisième vertèbre sacrée. Il a une portion intrapéritonéale évaluée à peu près au tiers supérieur et une portion sous-péritonéale à peu près les deux tiers restants. C'est un réservoir qui est muni d'un appareil sphinctérien qui va permettre, bien entendu, à l'obstruction ou à la continence, au phénomène donc de continence. De continence, c'est-à-dire qu'il y a un sphincter involontaire de muscles lisses qui va maintenir le canal anal en état de contraction involontaire, et que quand ce réservoir déborde ou quand on a envie en fait d'aller à la selle, on va essayer de se retenir, et c'est le sphincter, c'est la composante striée volontaire qui va intervenir pour retenir ou plus tard pour se décontracter et laisser donc évacuer les matières fécales. Ce rectum, donc, comme je l'ai déjà subdivisé en haut rectum, moyen rectum et bas rectum, le bas rectum comporte les deux derniers centimètres du rectum proprement dit, qui est à peu près de 12 cm, auquel, à ces 2 cm, on associe le canal anal, qui a une longueur de 3 cm, et que, au fait, l'ensemble canal anal et le reste du rectum s'appelle anatomiquement le rectum. On va le mettre en place, ce rectum. Mise en place, si vous voulez, et description pour vous faciliter un peu. Et donc vous avez le rachis lombaire avec le sacrum S1, S2, S3, 4. La colonne donc lombaire. Ce rectum, il est situé, on regarde S3, il épouse la concavité sacrée et en antérieur va plutôt se terminer par le canal anal. Là, bien sûr, étant plutôt de la peau. La lumière, donc c'est la jonction rectosigmoïdienne, la face postérieure, la face antérieure, et on le subdivise en fait pratiquement en 3. Donc, au rectum, rectum moyen et bas rectum. 5 cm, là 5 cm aussi, 5 cm subdivisé en 2
pour le rectum proprement parlé, plus 3 au canal anal. Ce rectum, comme vous le savez déjà, il est couvert de péritoine sur sa face antérieure et latérale au niveau du haut rectum avec un cul-de-sac péritonéal, le point le plus déclive. Faisons donc de ce rectum un rectum intra-péritonéal et là il s'agit du rectum sous-péritonéal. Bien évidemment, le cul-de-sac de Douglas qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle le toucher rectal qui, grâce à l'introduction du doigt donc par l'anus et le canal anal, on va pouvoir palper ce point le plus déclive comme on peut palper la prostate chez l'homme et vérifier s'il y a une masse au niveau du rectum. Bien sûr, ce rectum étant, c'est connu, cible d'un des cancers les plus fréquents, du moins du tube digestif, qui est le cancer du rectum. Le cancer du rectum est une pathologie très fréquente et particulièrement en Tunisie. Voilà donc cette mise en place pour passer à l'étude de sa vascularisation est un élément aussi important, cette vascularisation. Et on va pouvoir donc vascularisation du rectum. Alors là, l'aorte, avec les vaisseaux iliaques, les branches iliaques, primitives, du côté droit, le sigmoïde qui est au-dessous de la fourchette aortique et le rectum, le sigmoïde. La jonction rectosigmoïdienne et ce rectum qui est particulièrement évasé, large, jouant le rôle de réservoir le plancher pelvien avec l'appareil sphinctérien volontaire, plancher pelvien auquel est appendu le sphincter qu'on verra tout à l'heure aussi et qui intéresse le canal anal particulièrement. Et on va donc voir cette vascularisation à qui provient, souvenez-vous, de l'artère mésentérique
intérieur avec la colique inférieure gauche, le tronc des sigmoïdiennes et puis l'artère colique rectale, pardon. Supérieur ou hémorroïdaire supérieur, qui est la branche terminale de la mésentérique inférieure. Donc, première branche qui vascularise donc ce rectum étant l'artère hémorroïdiale supérieure, ou dite rectale du moment supérieur, qui est destinée au fait pour tout le rectum, à vrai dire. Une branche de l'artère iliaque interne, donc l'artère iliaque interne, qui va vasculariser essentiellement la partie moyenne de ce rectum. Il s'agit donc de l'hémorroïdale moyenne ou rectale moyenne. Et pour ce qui est du rectum moyen, inférieur, pardon, il s'agit de la rectale inférieure. C'est une branche de l'artère pudendale interne, qui elle-même branche de l'artère iliaque interne. L'artère hémorroïdale inférieure, branche de l'artère pudendale interne, qui elle-même issue de l'artère iliaque interne. Ceci étant donc sur le plan artériel, on peut embellir un peu quelque part ce schéma, si vous voulez, en mettant en place le pilitoire avec le cul-de-sac de place. Les veines sont satellites. Une hémorroïdale supérieure, une hémorroïdale moyenne, une hémorroïdale inférieure. Et bien sûr, ces veines, particulièrement l'hémorroïdale inférieure, est génératrice, c'est important, d'une maladie très fréquente, la veine hémorroïdale inférieure, d'une pathologie que vous connaissez certainement, qu'on appelle la maladie hémorroïdaire, les hémorroïdes. Ou hémorroïdes. Les hémorroïdes, ce ne sont en fait que des varices en rapport avec une pathologie pariétale des veines qui drainent le canal anal. Les lymphatiques, il y a des lymphatiques qui dépendent au fait, qui sont contre la paroi, c'est les coups, c'est ce qu'on appelle les coups. Il y a des lymphatiques moyennes, il y a des lymphatiques longues.
Donc, il y a trois groupes de lymphatiques. Dans le rectum, il y a les collecteurs du cour, il y a les collecteurs moyens, c'est le 2, et il y a les collecteurs longs étant le 3. Voilà donc ce qu'il en est de la vascularisation de ce rectum. Bien sûr, cette vascularisation va s'épanouir dans de la graisse, dans des vaisseaux lymphatiques, dans de la fibrose, qu'on appelle le mésorectum. C'est une entité beaucoup plus utile pour les chirurgiens que pour les anatomistes, et qu'un cancer du rectum doit emporter ce mésorectum qui est généralement riche en lymphatique pour que la cure soit la plus radicale possible. Alors nous passons au dernier chapitre, au dernier schéma qui a un intérêt particulier, à savoir le contenu, au fait, ou la description interne, ou structure interne, si vous voulez, du rectum. On commence par la muqueuse sigmoïdienne, en fait, qui va se prolonger par la muqueuse rectale, avec des replis rectaux, il y en a à peu près 3, un repli supérieur, un repli inférieur et un repli moyen et un repli inférieur, et puis il y a une muqueuse rectale, et plus précisément à ce niveau anal, avec la marge anale, la muqueuse de la marge anale, et il y a cette muqueuse va s'épaissir au niveau du bas du canal anal, de la partie moyenne du canal anal, qu'on appelle les ostrations ou les colonnes rectales. Ils sont au nombre de 8 à 10 sur toute la circonférence. Et cette surélévation va de la muqueuse en colonne, va aménager entre les différentes colonnes des valvules qu'on appelle les valvules rectales. Les valvules rectales. C'est important, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important. Et ces valvules sont alignées sur ce qu'on appelle la ligne pectinée. Donc il y a une ligne qui va associer ces valvules qu'on appelle la ligne pectinée. Là, c'est une zone qui est lisse, qu'on appelle le pecten anal, dépourvu donc de valvules. La ligne supérieure, c'est généralement dite la ligne ou la jonction anorectale. La jonction anorectale. Ceci étant donc pour ce qui est de la muqueuse. Là, bien sûr, un repli. Le repli rectal supérieur.
le pli rectal moyen et c'est un détail. Pour passer à la couche musculaire circulaire. La couche musculaire circulaire qui va renforcer ses replis et au niveau du canal anal, ben, elle va constituer un épaississement particulier qu'on appelle le sphincter lisse du rectum. La couche musculaire circulaire et elle va aménager une structure épaisse qu'on appelle le sphincter lisse ou involontaire du rectum. Lisse et involontaire. Involontaire. Qu'est-ce qu'il en est de la dernière couche musculaire, si vous voulez? Ben, c'est la couche musculaire longitudinale. La longitudinale, elle, par contre, elle va se ramifier au niveau de la région périanale. Il va être responsable des plis cutanés. Des plis cutanés tout autour de l'anus. Ce sont des fibres musculaires, en fait, longitudinales, qui vont entraîner les replis cutanés de la zone périanale. Reste à mettre en place, là on va embrouiller un peu le schéma, le plancher pelvien qui va émettre trois structures pour soufflure, disons, qu'on appelle le sphincter strié, qui n'est en fait que le prolongement des muscles du pelvis, du plancher pelvien, avec trois faisceaux, un faisceau profond, un faisceau dit superficiel et un faisceau sous-cutané. Sous-cutané, le superficiel étant, voilà, sous-cutané. Qu'on va retrouver de l'autre côté, pareil, avec le profond, le superficiel et le sous-cutané. Pelvien, le faisceau du sphincter strié profond, superficiel et sous-cutané. Un élément aussi important dans cette structure, bien évidemment, vous avez le péritoine, qui va délimiter le haut rectum qui est intrapéritonéal et le bas rectum et le moyen rectum qui sont sous péritoine. Ça, c'est
tantra péritonéal. Bien évidemment. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui reste encore? Ben, la vascularisation veineuse dont on a parlé tout à l'heure entre dans le tissu sous-muqueux, dans le plan sous-muqueux. Ben, on va retrouver les veines hémorroïdales, dites profondes, branches de l'hémorroïde inférieur. Mais il y a aussi des veines sous-cutanées, superficielles. C'est un réseau superficiel. Et d'où ce qu'on appelle les collecteurs ou le réseau veineux superficiel, veine hémorroïdaire. Hémorroïdaire ou hémorroïdale, c'est pareil, dit externe, et un réseau veineux veineux interne qui peuvent donner ce qu'on appelle les hémorroïdes internes. Et là, sont génératrices de ce qu'on appelle hémorroïdes externes. Tout simplement, c'est des varices qu'on voit à l'œil nu, les externes, alors que les profondes, on ne les voit pas. Sont assez profondes. Encore un élément qui a trait à la pratique, quoi. C'est que, au fond de chaque sillon entre les colonnes et à partir de la valve, il y a des glandes. Il y a une glande, il y a des glandes qu'on appelle les glandes de Hermann et de Foss. Là, les gens, je suis obligé de glandes de Hermann et de Foss. À partir de ces glandes, c'est donc glandes sécrétrices pour la lubrification du canal anal. Et qui, quand elles s'infectent, ces glandes, donnent ce qu'on appelle les abcès. Les calabcies peuvent se compliquer par ce qu'on appelle les fistules anales. Et ces abcès, ces glandes, quand elles s'infectent, le pus va se disséminer dans différents espaces périrectaux. Cet espace par exemple s'appelle l'espace pelvirectal, et que cette suppuration peut remonter dans cet espace pelvirectal et entraîner un abcès de l'espace pelvirectal. Le pus aussi peut aller dans la zone périanale, et on a des abcès ce qu'on appelle périanaux, superficiels, comme ça peut aller au-delà des sphinctères, et sont des abcès extra-sphinctériens. Comme il y a aussi un espace entre les sphinctères, c'est les abcès intersphinctériens. Il y a aussi des abcès sous-muqueux, on appelle les abcès intramuraux. Et en fait, tout ça, vous le verrez bien sûr dans pathologie proctologique. Une dernière chose, bien sûr, vous avez les tuberosités ischiatiques sur lesquelles vous êtes assis.
dehors de cet appareil sphincterien. Voilà ce qu'il en est donc de ces viscères intra-abdominaux, particulièrement digestifs.